Reiko, dirige-toi vers les quais de Manéa. J'ai une putain de proposition pour toi, mon frère. Terminé. Meilleure idée de la journée. Reiko, t'as réussi ? Je suis là. Qu'est-ce que tu voulais me montrer ? C'est là, juste devant toi, Reiko. L'un de mes tout meilleurs garages. Tout ce que je vois, c'est un bâtiment bleu sur un quai. Ah, je vais te montrer. Tiens, rends-toi à ces coordonnées. Les garages sont toujours sur les quais? Des fois c'est sur les quais, des fois près d'une piste d'atterrissage. Mais ils sont tous pareils et tu peux apporter n'importe quoi, n'importe où. Un bateau sur une piste d'atterrissage si ça te chante. Comment veux-tu que j'amène un bateau sur une piste? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est toi qui fais des trucs de dingue avec ton grappin, tu trouveras bien. Pas faux. L'important, c'est que tu peux amener n'importe quel véhicule dans n'importe lequel de mes garages. Mais je suppose que tu en as que dans les villes libérées. Thank you.
y es. Je t'amène ce scooter. Mais pourquoi? Te pose pas trop de questions, Rico. Il manquera à personne. Ta carte t'aidera à trouver mes garages. Allez! Alors, pourquoi je fais tout ça? L'équipement pour la rébellion, Rico. J'apporte des armes et des véhicules aux rebelles dans tout Medici. Et pourquoi t'as besoin de ce scooter en particulier? Et tu te souviens de la petite Cecilia Crespo? La fille avec la laine de chacal, on l'appelait Bouche d'Ego. C'est le sien, pas mal, hein? Elle s'est moquée de mes cheveux, elle a dit qu'ils étaient collants. Alors, on lui fait une petite blague, tu vois? Et puis ça rend service à la révolution et à toi, en plus. En quoi le fait de voler le scooter de Cecilia va me rendre service? Réfléchis, Rico. Je prends la bécane, je la démonte, les gars l'utilisent pour en faire d'autres. Tout le monde a une bécane, des roues pour tous, sauf Bouche d'Égout. Elle va l'avoir mauvaise, mais c'est le but. Je me dis qu'un blindé ou un lance-roquettes, ce serait peut-être plus utile que cette pétrolette. Ouais. Et si tu détruis les bases de Diravelo, les gars pourront étudier les véhicules qui s'y trouvent et te les apporter. Mais amène pas ça dans mes garages. Quoi? Ça attire trop l'attention, Rico. Je dois pas me faire remarquer si je veux pouvoir continuer à bosser tranquille. Mm-hmm.
revoir, Rico. Garde juste la moto sur la zone peinte en bleu. Oh, c'est du rapide, Mario. Mais du coup... Alors, tu les as? Ouais. Je vois pas à quoi ça va me servir. Lance-les pour indiquer à Mega où larguer ton équipement. T'as juste à choisir ce que tu veux avec ma super application Livraison Rebelle. Tu vas recevoir un hélico, alors lance la balise sur une zone assez grande pour décoller, atterrir et tout ça. Et voilà! Pas mal, Mario. Eh ouais, mon pote. Dès que t'as besoin d'un truc, utilise l'application. Mais on peut te livrer que ce que tu rapportes. Alors au boulot!
Des années de travail. Notre incapacité à protéger Manea était largement prévisible. Nous reprendrons son contrôle sans problème, mais... La perte de Vice Electra... Voilà un échec qui ne peut pas rester impuni. N'est-ce pas ? Reiko Rodriguez est de roi, né dans le brasier qui a fait naître mon règne. Bientôt, le monde connaîtra toute l'étendue de mon pouvoir. Il m'offre l'occasion parfaite pour une démonstration. Un brin de motivation ? La ville de Costa del Porto. Brûlez-la ! Et quand il arrivera pour protéger les miséraux, tuez son ami. Chaque action peut et doit engendrer une réaction terrible. Et ensuite, les braises de la révolution se transformeront en cendres, comme ça a toujours été le cas au cours de l'histoire. Utilisez les blindés. Faute. Tu tires partout, tu joues à la guerre, et c'est nos maisons qui brûlent. Écoute pas ce vieux type. On fait ce qu'on a à faire. Je n'ai pas le choix. Mais je n'oublierai pas. Moi, je prends les blindés. Toi, tu vas en ville, Mario. T'inquiète, on va leur servir sur un plateau.
moi je fonce vers la ville. Tiravello va nous le payer. Ouvrez cette porte! Je vais me faire canarder! Draco, faut que tu me regardes.
Une ville à la fois. Écoute, on n'a jamais dit qu'on discuterait de ça, Sheldon. Ouais ? Eh ben maintenant, c'est l'heure d'en discuter, Mario. Je ne peux pas. Je suis désolé, fiston. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Je vois que t'as trouvé les rebelles, Sheldon. Ouais, tu sais, mon pilote Crashy dit qu'on doit tous participer. Et tu me connais, je suis philanthrope de l'année, comme tous les ans. C'est ça. Eh, c'est vrai ! Justement, je viens de signer un deal avec les rebelles, tu vois ? Tu les sauves, ils m'aident. Et moi, je t'aide à aller d'un point à l'autre. Hein? Merci qui? Merci. Mais de rien, gamin! Ça me fait plaisir!